Bonjour, je vous présente le 5 piégeurs. Là, vous connaissez le Cinquillo. Eh bien, le 5 piégeurs, c'est que l'on va pouvoir placer des cartes supérieures au 5 ou inférieures au 5, mais pas forcément dans l'ordre. Alors, attention à bien regarder ces cartes, parce que ensuite, lorsque plus personne ne peut jouer, eh bien, c'est celui qui aura le moins de cartes qui aura gagné. Alors, on distribue toujours 10 cartes à chaque joueur. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est toujours celui qui a le 5 de cœur qui commence. Donc, ce joueur-là commence. Alors, le joueur ici peut très bien mettre tout de suite une carte très forte à cœur et une carte très basse. Alors, lui, il a des 4 et tout. Vous voyez, il a le 2 de cœur. Mais s'il met le 2 de cœur, il ne pourra plus jamais poser son 4. Alors, il décide de poser son 4 de cœur. Donc, lui n'a rien, mais il a un 5. Donc, il va mettre son 5 de carreau. Lui, vous voyez, il a le 7 de carreau. Eh bien, comme il a que le 7 de carreau, il va le poser. Donc, celui qui a le 6 de carreau, eh bien, se voit déjà avec une carte, vous voyez. Lui ne pourra jamais la poser. Alors lui a l'as de cœur et le 6 de cœur, donc il va décider de poser l'as de cœur. Comme ça, ceux qui ont le 3 et le 2 de cœur, eh bien, sont piégés. Donc lui a le 2 de cœur, donc il est piégé. Là, il va mettre son 4 de carreau. Alors lui a la dame de carreau, par exemple, eh bien, il peut très bien la mettre tout de suite. Tout de suite au-dessus du 7, ce qui bloque le 10 et le valet. Mais là, il décide de jouer le 2 de carreau. Donc, vous voyez, celui qui a le 3 de carreau est pris. Donc, lui a l'as de carreau. Lui a. Donc, le 6 et le 3 de carreau sont déjà condamnés. Il a le 6 de cœur, donc il va le mettre. Lui a le 10 de carreau, donc il va le mettre. Lui a la dame de carreau, il va la mettre. Il aurait peut-être dû mettre tout de suite la dame de cœur, le 10 de cœur. Lui a le 7 de cœur, donc il va le mettre. Lui a ses 3 carreaux condamnés, il a un 5, donc il va mettre le 5 de trèfle. Lui va mettre le 4 de trèfle, il ne va pas mettre l'as tout de suite puisqu'il a le 4. Lui va mettre le 10 de trèfle. Donc les autres vont se retrouver pris. Donc lui peut mettre le 3 de trèfle. Lui peut mettre le 2 de trèfle. Lui peut mettre la dame de trèfle. Donc lui, son valet, il ne peut plus le mettre. Lui peut mettre son 10 de cœur. Lui peut mettre son. Mais il n'a rien à mettre, vous voyez. 3 de cœur, il ne peut pas. Tous les piques, il ne peut pas. Et le 7 de trèfle, il ne peut pas. Donc lui peut mettre. Lui peut mettre. Mais rien du tout. Donc lui, le 2 de cœur, il ne peut pas. Il va mettre l'as de trèfle. Il ne va pas mettre tout de suite son 5 de pique. Lui, il va mettre le valet de cœur. Lui, il ne peut toujours pas jouer. Lui, il ne peut toujours pas jouer. Lui, il va mettre. Donc ces deux-là, il ne peut pas. Donc il va mettre le 5 de pique. Lui, il va mettre la dame de cœur. Lui, il va mettre le 2 de pique. Lui, il va mettre le 10 de pique, lui va mettre le valet de pique, lui ne peut plus jouer, lui peut mettre son as de pique, ici la dame de pique, et ici on ne peut plus rien mettre. Donc lui a deux cartes,
Donc, il remporte la partie, il marque 5 points. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points. Voilà, le 5 piégeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.